down south girls love to do them twerking dances. C'est Chris, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vu dans le titre, un petit tuto assez spécial en redstone pour vous apprendre à faire une sorte de lobby genre style rush, comprendre comment ça fonctionne et en même temps comment comment créer tout ça pour vos maps PVP comme j'ai fait récemment sur ma dernière map hein. Et donc voilà tout ça. Donc d'abord il vous faudra un point de lobby. Donc pour moi je vais mettre un... Je vais vraiment pas m'emmerder, hein. Je vais vraiment faire ça rapidement parce que je suis en solo. Le truc a rien à voir. Je voulais juste vous dire que j'étais en solo mais ça a rien à voir. Bon, mettons, voilà, on a le lobby. On va être tout moche, ok. Donc on a le lobby tout moche, je vais juste... mettre tout ça à niveau. Voilà une dernière couche. Bon, je vais faire deux équipes, hein. Je vais pas m'emmerder avec quatre. Et je vais le faire en l'air, au moins comme ça, je vais bien pouvoir vous montrer les systèmes de redstone. Voilà. Donc, ici par exemple, je vais mettre une pancarte. Ok, je sais, j'ai fail. Donc par exemple, si vous voulez une équipe rouge... oui, mais ça fonctionnera pas. Équipe rouge et équipe verte, par exemple. Je sais pas, hein, je dis des trucs comme ça. Vous mettez un piton, un bouton, hein, mais je sais pas pourquoi il s'appelle piton maintenant. Depuis la 1.7, depuis la 1.6, j'ai... Donc vous givez un command block, on give Crazy Street 137, ou vos pseudo. Hein, parce que vous ne pouvez pas vous appeler Crazy Street. Donc pour l'instant, c'est bon. Donc vous avez votre lobby, vous avez vos deux équipes, donc rouge et verte. Donc pour l'instant, ça fait rien, c'est tout à fait normal. Donc je vais monter un peu en hauteur et vous faire voir ce qu'il faut faire. Bon, je le fais toujours en cobble. Hein. Bon, je vais peut-être utiliser la laine rouge et la laine... c'est équipe verte là-bas je crois. Ouais, c'est ça. Donc équipe rouge ici. Bon, mettons vous... Alors, le mieux... Si vous faites des équipes de 2 ou comme ça, vous faites 4 sur 4. Et vous faites des... Vous recouvrez comme ça. Enfin, recouvrez. Entre guillemets. Hein. Et vous le montez de 3. Par préférence. Parce que vous allez voir après pourquoi. Donc c'est vraiment un tuto que j'ai pris soin de faire. Le prochain tuto, ce sera peut-être en redstone, hein, bien sûr. Ce sera peut-être sur... Ok, je marque map. Sur le nombre de vies limitées. Donc je galère à faire, mais je trouverai bientôt. Donc vous mettez peut-être un... Bah vous mettez peut-être... Vous mettez un endroit avec une lampe ou quelque chose. Bah une lampe c'est plus stylé comme sur les... Bon je copie pas trop, hein. Je vais pas trop copier comme ça. Donc 3 pour pouvoir mettre la pancarte juste au-dessus en marquant... bah par exemple... active quand tu es prêt. Ok. Enfin, quand l'équipe est prête. Hein. Et ici, l'équipe ennemie, équipe... Donc pour moi, c'est équipe bleue. Équipe bleue. B-L-E-U-E, ouais. Prête. Ok. Donc ensuite, vous notez les coordonnées. Donc en faisant un petit F3. 153, 82, 338. Contrôle A, contrôle C. Bien utile le contrôle A, contrôle C, raccourci. Donc ici vous faites slash tp arrobas p. Quoi? Excusez-moi, je fais une ellipse. Alors re tout le monde. Donc je disais vous faites un slash tp arrobas p et vous faites un espace et un contrôle B pour les coordonnées où vous notez tout, mais c'est plus pratique comme ça. Donc quand vous allez appuyer dessus, vous serez tp ici. Bon, à l'envers ou à l'endroit, hein, je sais pas pourquoi si c'est comme ça, mais. Je crois qu'on peut rajouter la direction. Mais c'est pas trop un problème. Donc maintenant je vais faire l'autre
team, donc je vais prendre de la laine bleue, pâle. Ou je pourrais prendre du lapis ou du bleu. Bon, je vais prendre du bleu. Donc je vais le faire aussi en hauteur. Bon, je vais carrément tout espacer pour que vous voyez bien. Mais c'est le même principe pour 2, pour 4, pour 6, pour 8, pour 10. Il faut juste comprendre et avoir du temps devant soi. Parce que plus vous avez de team, plus il va falloir faire de blocs. Bah, de lobby, espace lobby. Je l'ai peut-être un peu monté trop haut. J'avais noté combien? 82. Je suis en 84. Ok, 84, 83, 82. Ok. C'est celui-là, ok. Donc... Ouais, je dois même le descendre encore un parce que c'est le point de... Voilà. Donc, pareil, vous faites 4 sur 4. Alors, 4. Sur 4. Ok, donc maintenant, je le fais sur les côtés. Bon, je lève mon F3. Je vais plus en avoir besoin pour l'instant. Ok, donc, pareil, vous montez de 3. Bon, je vais pas faire tous les côtés. Hein. C'est juste pour vous faire fassiez voir. Donc ici et ici. Donc ici c'est actif quand tu es prêt. Donc j'ai juste pour pas perdre de temps R et T, voilà. Prêt, active et équipe en face. Voilà, exactement ça. Donc voilà. Donc ensuite vous allez prendre un bloc. Perso je vais me prendre des blocs invisibles. Je crois que... Non, c'est pas... 52 ou quoi, je crois. Non, c'est spawner 52. Ouais, bah, je vais pas prendre le bloc invisible. Invisible, c'est pour que la redstone, elle l'évite et ça fait un peu plus beau, je trouve. Un peu plus beau, ça fait moins... Voilà, donc... Vous allez... Tout en tirant le bloc, rejoindre cette partie-là. Bon, logiquement, si vous êtes à la bonne hauteur, il n'y a pas de problème. Mais moi, vous voyez, je suis un peu trop haut, mais c'est pas trop grave et je suis un peu décalé. Mais ça se règle assez vite, juste à faire ça. Bon, vous pouvez utiliser des comparateurs hein, autant que vous voulez, mais mettez pas de délai. Comparateur de redstone... Non, c'est pas des comparateurs, c'est des répéteurs. Excusez-moi. Et forcément, bah, je me donne des fleurs. Oh là 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 là, répéteur, voilà. Donc, vérifiez bien que la redstone est bien étendue. Ouais, c'est parfait. Et pareil pour l'autre côté. Vous allez étirer. Clac, clac, clac. Voilà, et je le mets comme ça. Donc, maintenant, c'est du sens inverse. Hein, donc, faites bien attention au sens des comparateurs. Et là, j'en aurais sûrement pas assez. C'est sûr et certain parce que c'est 15 blocs. Voilà. Donc là, si je désactive, l'autre côté il va voir qu'il n'est pas activé. Et par contre, si j'active, lui il va être activé. Donc jusque là, c'est simple à faire. C'est tout bête. Donc ensuite, bah là c'est simple parce que j'en ai fait que 2. Vous allez prendre un espace de 3. Bah de 4 plutôt. Pour pouvoir... Ah non, non, c'est bien 3, donc je vais carrément refaire une autre source hein, pour que vous verrez si vous faites un troisième. Je vais prendre cette source-là. Bon, je le fais volontairement passer comme ça. Ok, donc ici, si j'active logiquement, ça devrait s'allumer. Tout s'allume, c'est parfait. Donc ensuite vous mettez une torche de redstone. Donc une torche de redstone ici. Si vous en faites qu'un, après vous pouvez faire suivant la longueur. Hein. Par exemple, si vous avez 6 équipes, vous en mettez 3 là, avec un répéteur qui éteint celle-là. Un autre avec le bloc au-dessus ou sur le côté, vous pouvez même le mettre en dessous, ici par exemple. Bon, mais je me suis fail. Vous mettez la redstone qui descend ici. Vous faites comme vous voulez, mais moi je vais en mettre qu'un seul. Je vais le mettre ici. Ensuite, vous mettez un bloc ici. Vous le descendez. Vous mettez une redstone. Vous mettez un autre bloc ici et une torche de redstone.
Donc là, ça va être allumé parce qu'il y a celui-là d'activer, mais l'autre il n'est pas activé parce qu'il n'est pas relié. Et c'est tout con. Donc je vais prendre cette redstone ici et je vais la descendre pour que faire le système. Bon, c'est pas tout à fait fini, hein. Mais le principe reste le même et il est assez simple à réaliser. Bon, logiquement, je devrais avoir assez. Alors si je l'allume, voilà. Donc maintenant, vous mettez une torche ici. Une torche là, ce sera pas utile, sauf si vous donnez des items, c'est par exemple des slash give. Et donc je vais désactiver les deux. Jusque là, c'est pas trop compliqué. Hein. Et donc, celle-là a été éteinte parce que les deux sont allumés. Vous faites ceci. Vous mettez un répéteur, j'allais dire comparateur, mais c'est un répéteur que j'ai déjà dans la main. Pourquoi je vais récupérer. Donc si vous voulez faire un... Comment dire, un compte à rebours, vous faites comme ça. Vous faites... Vous tirez de 3, vous mettez un répéteur à fond, un deuxième à fond, et vous le mettez à 1 pour l'autre. Ensuite, vous remettez un répéteur. Donc par exemple, moi je vais faire téléport slash say tp dans 2 points. Là, je vais mettre slash say 3. Je vais vraiment... Bah, je vais pas mettre 5. 1, 2, 3. Ok, donc là, je pose le command block. Bon, faites attention quand même à la redstone qui peut être... qui peut se gêner. Et perso, là, je pense pas que ça va gêner. Donc, à fond, au deuxième. Donc, là, c'est 2. Là, j'essaye 2. Par contre, je vais tourner la redstone. Comme ça. 2, 3. Je vais remettre des comparateurs, des répéteurs. Je sais pas ce que j'ai avec le comparateur. Voilà, c'est bon. Donc, j'avais dit téléportation dans 1, 3, 2. Alors là, 1. Essaye 1. Là, vous retournez la redstone, vous mettez pareil 3 comparateurs pour atteindre le 0. Parce que sinon ça va faire 3, 2, 1 et au 1 il va directement se TP. Donc là ça fait ceci. Donc pas trop compliqué. Hein. Et ensuite vous allez amener de la redstone. Ouais, je sais pas si. Ça ira pas comme ça, il faut que je fasse comme ça plutôt. Amener la redstone à en dessous de ce bloc là et en dessous de là bas donc personnellement je vais le tourner comme ça et je ferai un autre changement après, tout bête. Ok, donc je la tire là bas je vais juste. Ok, par exemple je vais faire ça et je vais le mettre ici, je vais mettre le command block ici. Pourquoi j'ai pas fait un 5 pour le mettre en plein milieu bah vous pouvez, mais je trouve que c'est pas trop utile parce que si il est pas tout à fait dans le bloc ou il est glitché, il sera pas TP. Donc c'est pour ça que vous faites, ou même pour ça que je préfère faire comme ça. Et vous faites un slash TP arrobase A entre crochets R égale 5 si vous faites un 4 sur 4. Vous refermez le crochet et pour l'instant vous faites terminer. Donc après je mettrai les coordonnées. Donc là ce que je viens de donner c'est, je demande de faire une téléportation à tous les joueurs dans un rayon de 5 blocs. Donc forcément ceux qui, même si ceux qui sont là ils seront TP par le command block. Bah je dis ici mais je parle d'ici hein, parce que sinon il faut mettre un plus grand nombre. Vous pouvez augmenter la taille comme vous voulez, c'est pas moi qui fais votre choix. Donc vous reliez la redstone. Donc là je sais pas si ça sera assez long. Bon il y a plus de 15 donc je vais mettre ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais bah ça sera bon. Et ensuite vous prenez l'autre redstone et vous la retirez. Donc en gros ça fait 2 en 1 entre guillemets. Pour deux circuits différents. Donc pareil, vous mettez le command block ici où vous voulez.
Ouais, bah j'ai changé en laine bleue, c'est pas grave. Bon, le bloc est pas très utile, hein. C'est juste pour... Ah, il est pas utile du tout. C'est juste pour mettre le système. Donc, je vais remettre un comparateur ici. Un petit ici, on sait jamais. Donc pareil, vous faites un slash tp arrobase a qui est dans un rayon de 5 blocs. Et je vais prendre les tp. Donc le bleu, je vais le mettre ici par exemple. Donc F3 149 67 295 échappe. Donc après vous faites un espace CTRL V. Et les rouges, je vais les mettre allez, à côté de du squelette full or. Ah, il n'y a pas les bottes. Donc je vais le mettre ici et je vais prendre le cordeau qui est 154 65 349. Bon, après je vais vous dire une chose, rien n'est... C'est pas... Bah, vous pouvez mettre un bouton milieu pour faire retour au lobby, pour choisir les équipes. Donc vous repérez ici, donc vous mettez les commandes ici. Donc je vais faire un test. Je vais aller dans l'équipe rouge. Bah, aller dans l'équipe bleue plutôt. Pourquoi 2? Ah, vous voyez, parce que la redstone est en dessous. Et donc du coup ça... C'est actif, donc faites gaffe aussi à ça. Moi je vais le décaler. Comme ça, ça devrait suffire. Logiquement, ça devrait pas toucher. J'espère en tout cas. Voilà, ça touche pas. Donc maintenant, je vais dans l'équipe bleue. Après, vous pouvez mettre aussi des autres commandes blocs avec des autres redstone pour dire... bah, pour slash game mode, etc. Donc vous mettez une torche par exemple ici. Vous mettez un autre comparateur avec un autre... Donner du stuff, etc. Notre répéteur, je sais pas ce que j'ai. Donc du coup je vais mettre moi-même en GMS, en game mode 0, parce que je suis en game mode 0. Je vais l'activer. Donc là, TP dans 3, 2, 1. Et là je suis TP. Donc sur le bleu. Donc je vais faire un autre test. Avant de me faire déchirer par une araignée. Avant de me faire déchirer. Ok. Donc je vais les désactiver. Donc une fois qu'ils sont que vous êtes TP. Voilà, donc j'ai d'abord activé le bleu et voir le rouge. Donc je vais pas TP dans 3, 2, 1. Je suis au rouge, voilà. Donc il n'y a pas de problème. Et c'est pour toute la team. Après vous pouvez faire un système de scoreboard. Mais c'est un peu plus compliqué. Si vous voulez, vous me le dites, je le ferai en tuto. Et voilà. Et donc ensuite, je vais vous faire voir une petite dernière chose, le système. Bon, je vais m'éloigner du bloc, au moins comme ça, vous. Voilà, donc ça active là. Je serai pas TP. Donc ici, la redstone a été activée. Là-bas, c'est pareil. Donc c'est du TP quasiment instantanément. Quasiment pareil. Et voilà. Donc ce petit tuto touche à sa fin. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Cela me fera vraiment plaisir. Et c'est ainsi qu'on se dit bye. Allez, ciao tout le monde.